savoir si tu avais des petites nouveautés pour la rentrée avec Dylan tout à l'heure. On a plein de nouveautés. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez bien dormi. Écoutez, moi hier, comme d'hab, on a été au lit tôt. On est rentré vers 9h de chez ma soeur. Et puis, on est parti directement faire dodo. Voilà, toujours probablement mon rythme. Ce matin, pour moi, mon petit café. Breakfast by Soul Chef. Voilà, les petits granola avec ma petite barre. Les granola au chocolat, ils sont trop bons. Et ça aussi, c'est une tuerie. Alors, Breakfast by Soul Chef, les amis, c'est un site spécialement pour le petit déjeuner sain, pour toute la famille. Vous avez 4 serveurs de dispo pour les bars. Bonsoir les amis, que sur les bars de Breakfast by Soul Chef, elles sont légères et très faciles à digérer. Vous avez aussi sur le site, pour faire des pancakes, des pépites au chocolat aussi, je vous conseille de prendre les pépites avec les pancakes. Vous rajoutez les pépites dans la pâte de pancakes, c'est super bon. Comme je vous l'ai dit, donc c'est pour toute la famille les amis. Voilà. Un trop. Du coup les amis, des 50€ d'achat sur le site de Breakfast by Soul Chef, vous avez 10%. Et vous avez aussi donc la possibilité de payer en 3 fois. Je vous ai mis ici le lien en swipe up. Bon, là on vient prendre la douche avec mon fils. Je vais vite partir avec lui. Je m'arrête pour lui prendre rendez-vous chez sa dentiste. Parce qu'il a une dent qui pousse ici, là, sur, je sais pas. Donc je vais voir si c'est rien de grave, s'il faut lui enlever ou pas. Et il y en a une autre en... Bon, du coup, on vient de s'arrêter plus rapide que ça. C'est top, il a rendez-vous aujourd'hui à 16h. Voilà, comme ça, moi, il est tranquille pour la rentrée des classes. Ah, mon amour ? Ouais, et il est 11h. Voilà, il est... Non, 11h44. Ouais. Donc, en 4... Plus rapide que ça, Hugo, comment ça se passe ? Voilà, donc on lui a enlevé 2 morceaux de dents et c'est nickel. Ah, mon amour ? Il n'a rien dit, les amis. Bravo. Comme il ne sait pas parler, là, il m'écrit... Celle du... Du coup, demain, je suis trop contente. Je vais enfin refaire mes sourcils. Voilà. Donc, je vais voir Rachel demain. Je sais que l'école va me voir débarquer. En plus, j'ai rendez-vous le matin. Je ne raconte même pas. Ce qu'elle est, c'est qu'à chaque fois que je fais mes sourcils, c'est une catastrophe dans le sens où je bouge tout le temps. Voilà. Je ne sais pas tenir en place. Donc, elle pète un pont. Mais bon, après, elle est habituée. Heureusement qu'elle a une super, mais super crème à mettre avant. Et c'est pas la crème, elle mâche pas quoi, là, pas du tout. Heureusement, parce que sinon, moi, c'est une horreur. Mais sinon, je suis trop contente. Voilà, demain, on refait tout ça. Les amis, j'espère que ça va toujours pour vous. Comme je vous l'ai dit, donc, on part au mois d'octobre en Écosse, donc à Édimbourg, avec des amis. Je cherche quelqu'un. Soit qui vit là-bas et qui connaît vraiment Édimbourg comme dans sa poche, ou alors qui ne vit pas là-bas mais qui connaît quand même Édimbourg comme sa poche. Voilà, donc on cherche vraiment donc des restaurants fun, branchés, des trucs peut-être même atypiques. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Que ce soit même des bars ou des activités à faire. Voilà, parce que c'est vrai que quand on tape Édimbourg sur Google, ben forcément c'est la liste des choses basiques, on va dire. Donc, si vous avez des bons plans, je suis vraiment preneuse. Merci beaucoup.